Salut, aujourd'hui on continue la route vers le CryptoSayen. Vidéo un peu particulière parce que là on va s'attarder sur les scams et les arnaques que vous pouvez rencontrer sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. Il en existe encore de nombreuses et c'est pour ça qu'on va faire un petit tour d'horizon et qu'on va voir en fait leurs différents mécanismes et comment s'en prémunir. Allez, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un de nos partenaires, Aurora. En fait, qu'est-ce que c'est Aurora? Vous avez peut-être déjà vu leur lien dans nos vidéos. C'est un groupe qui vous permet de vous mettre en lien avec des gens qui ont des connaissances dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, et qui peuvent vous apporter énormément d'informations qui vont être super utiles pour vous permettre de gérer votre porte-monnaie, gérer votre capital, vous permettre de découvrir des projets avant tout le monde avec un fort potentiel. Le tout vraiment de façon collaborative, en pouvant avoir des échanges avec d'autres personnes. Un truc qui est vraiment pratique parce que c'est sympa les vidéos, mais c'est sympa aussi de pouvoir vraiment poser des questions quand on veut. Et c'est ça qu'offre Aurora. Si vous prenez leur offre, vous aurez aussi le droit à un coaching sur mesure pour essayer de voir quel est votre type d'investisseur, quel est votre comportement, comment vous préparer au monde des crypto-monnaies. Mais tous ces services ont un coût. Et c'est pour ça que nous vous proposons, grâce à notre lien, une remise de 10% sur leur offre. Vraiment, leur communauté est vraiment sympa. Si on vous l'avance, pas pour rien, c'est que nous, on pense que ça vaut vraiment le coup. C'est un bon moyen de se mettre dans les crypto-monnaies, de comprendre comment ça marche. Et on vous invite à aller faire au moins un tour sur leur Telegram public pour voir un peu ce qu'ils disent, comment ça marche et ce qu'ils proposent. Alors la première arnaque qu'on a identifiée, c'est le fait de recevoir des tokens sur son wallet. Un wallet comme MetaMask, n'importe quoi en fait, qui va être sur un réseau comme la Binance Smart Chain, sur Ethereum ou sur toute autre blockchain. Et en fait, quelqu'un va vous envoyer des tokens sur ce wallet et vous allez croire dans un premier temps en fait que vous êtes riche. Parce que vous allez voir s'afficher un montant astronomique en dollars ou en euros qui correspond à ce montant de token et vous allez vous dire putain, il faut vite que je le vende. Du coup, vous allez vous précipiter n'importe où sur n'importe quel exchange et vous allez vous faire avoir. On va voir ça en détail avec un petit exemple. Du coup, comment ça va se passer? C'est que vous allez vous connecter sur un site comme Pucoin, où vous allez pouvoir aller traquer les performances de vos coins et là par exemple, il va vous lister l'ensemble des coins qu'il y a sur votre wallet. Bon, ça peut être sur Pucoin, mais ça peut être aussi sur BSC Scan ou n'importe quel explorer de blocs sur lequel vous allez pouvoir voir l'ensemble des transactions qu'il y a sur votre wallet. Et là, vous allez identifier en fait un coin que vous n'aviez jamais vu. Vous n'avez pas fait de transaction, vous allez vous dire, punaise, j'ai reçu un truc par hasard ou j'ai eu un airdrop. Et là, il m'indique que j'en ai 800 000 du projet dex88.org et que j'ai l'équivalent de 52 000 $. Là, dans votre tête, vous devenez fou. Vous vous dites, c'est bon, je suis riche. Il faut vite que j'aille trouver un moyen de les vendre. Et c'est là que ça va commencer, en fait. Vous allez vous dire, il faut que je trouve l'information pour réussir à les vendre. Et là, naturellement, vous allez regarder le projet et vous allez dire, ça ressemble quand même à une adresse d'un site web. Du coup, vous allez le copier-coller en cherchant du coup à le vendre contre un stablecoin ou n'importe quel autre projet qui aurait de la valeur. Et vous allez vous retrouver sur ce type de site. Il va vous présenter en fait un projet classique. Bon, là on voit quand même que souvent ils sont pas très compliqués, c'est pas un truc très novateur. Là ça ressemble à un autre, on va dire, shitcoin comme un Shiba Inu ou je sais pas trop quoi. Memecoin, CharityCoin. Déjà quand vous voyez ça, il y a quand même 80%, 95% de chances que ça soit une arnaque ou un truc qui est vraiment aucun intérêt. Mais vous avez la promesse de l'argent qui est juste derrière. Du coup, ce que vous allez faire, c'est là, vous êtes attiré vers le cadeau, vous faites get airdrop. Et là, il vous propose en fait de connecter votre wallet et d'échanger vos DEX 8, c'est le coin que vous aviez avant, contre autre chose qui vous a vraiment de la valeur à vos yeux. Je sais rien, du Bitcoin, des BUSD, des USDC, quelque chose qui vous parle. Et vous allez appuyer du coup sur Connect Wallet et vous allez vouloir échanger et faire suivant et accepter la transaction. Sauf qu'il faut absolument pas le faire parce que en faisant ça, vous allez accepter un contrat qui va aller vider l'ensemble de vos cryptos qu'il y a sur votre wallet et ça va l'envoyer sur une autre adresse, une adresse de quelqu'un d'autre qui lui va pouvoir se servir de vos coins. Du coup, faites super attention à ce genre d'arnaque. Dès que vous voyez des coins là comme ça qui ont des valeurs astronomiques, bon, soit vous avez vraiment de chance, mais il y a
une chance sur 1 million, 1 milliard que ça soit vraiment le cas. Il y a beaucoup, beaucoup plus de chances que ça soit une grosse arnaque. Du coup, faites super gaffe, surtout quand vous voyez une adresse comme ça, une adresse d'un site web, c'est qu'il y a une arnaque. Il n'y a pas de doute là-dessus. Du coup, faites vraiment gaffe. La deuxième arnaque, elle est d'un autre type en fait. Vous allez tomber en fait sur une pub, une vidéo. Souvent, ça va être des lives YouTube qui vont vous dire, voilà, une personne richissime que vous connaissez, qui est un peu liée au crypto, comme Elon Musk, Vitalik Buterin, genre des personnes vont vous dire en fait qu'ils ont décidé de faire une œuvre caritative, de vous permettre enfin de devenir riche parce qu'ils ont trop d'argent et qu'ils ont décidé de vous en donner. Et en fait, vous allez être rapatrié sur un site où ils vont vous dire envoyez-nous, j'en sais rien, l'équivalent de plusieurs milliers de dollars de Bitcoin et on vous enverra le double parce qu'on est trop gentil, qu'on a envie que vous deveniez riche vous aussi. Et c'est une putain d'arnaque. Il faut pas tomber là-dedans. Ça peut être vraiment tentant à des moments parce que c'est super bien fait. Vous avez un live, une vidéo où le mec parle, il vous dit genre ça va être Elon Musk. Ils vont reprendre en fait des interviews qu'il a eues. Ils vont tout mettre bien pour que ça ait l'air cohérent. Ils vont vous ramener sur un site web qui est super clean, qui fait super sérieux, et en fait c'est une grosse arnaque. Du coup, ça aussi il faut pas se faire avoir. Bon, j'ai réussi à vous retrouver un petit exemple, je pensais ne pas les retrouver, et vous voyez là j'ai tapé Elon Musk crypto live, les mots du diable, et je suis tombé là sur un live qui est en direct. Et si on clique dessus, voilà, je vais couper le son, on a une interview en fait avec Elon Musk, d'autres personnes de l'univers des cryptos. Et à côté, vous avez des informations comme ça qui vous disent, voilà, for example, envoyez-nous du SHIB, du Shiba, et on vous en renverra le double à chaque fois. Je pense que voilà, vous avez même un lien là qui vous redirige vers leur site. Le site est magnifique, ça fait super pro, vous avez plein d'adresses auxquelles envoyer. Ils vous disent que c'est live, qu'il y a déjà des gens qui ont envoyé, qu'ils ont reçu leur crypto. Et ça donne envie. Souvent, il y a même un petit minuteur qui vous dit que vous n'avez plus que 12 minutes pour le faire parce que bientôt, ça va être complet. Et non, faut pas y aller, c'est une arnaque. Une autre arnaque qu'on a rencontrée, c'est celle du centre d'aide MetaMask. L'arnaque est assez basique. Ils vont vous dire, voilà, on a un moyen pour vous de retrouver vos clés privées si vous avez perdu. On a un moyen de vous mettre en contact avec le centre d'aide MetaMask ou n'importe quelle autre wallet. Et vous allez être tenté parce que si vous avez perdu vos coins ou que vous avez des problèmes, vous allez vous dire, enfin, j'ai quelqu'un avec un interlocuteur qui va pouvoir m'aider. Et en fait, leur seul but, ça va être de prendre votre clé privée, d'avoir accès à votre compte et encore une fois, de voler tous vos fonds. Voilà, par exemple, là, si on va sur Twitter, nous, on avait eu des messages sur certaines de nos publications de gens qui essayaient d'envoyer l'hameçon pour récupérer vos clés. Et là, je suis retombé sur un tweet où quelqu'un parlait de l'extension MetaMask. Et vous verrez quasiment 9 fois sur 10, vous allez retrouver un message comme ça d'un mec qui se fait passer pour le support de MetaMask et qui vous dit « On peut vous aider, on a les moyens de vous assister 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a juste besoin de nous contacter. » Puis en fait, ils vont faire tout le processus de vous faire croire qu'ils sont là pour vous aider. Et à la fin, en fait, l'objectif, c'est vraiment de prendre vos clés. La dernière arnaque est sûrement la plus intelligente et la plus dangereuse, c'est le rug pull. Vous avez sans doute déjà entendu parler avec le projet qui s'appelait Squid Game, où il y a eu des milliers de personnes qui se sont fait avoir et qui ont perdu tous leurs fonds. En fait, comment ça marche ? Vous allez avoir un projet qui va se présenter à vous, comme Squid Game, où il vous présente une nouvelle fonctionnalité, un nouveau truc, un nouveau jeu qui a l'air d'être cool, où en fait il y a beaucoup de hype, tout le monde commence un peu à en parler, parce que souvent ils surfent sur une mode, et vous allez être invité du coup à investir. Ça va souvent passer par un DEX, un exchange décentralisé, comme on avait vu dans la précédente vidéo, où en fait, personne va réguler ça. Il va juste y avoir une pool de liquidité avec une paire, ça va être leur projet et une autre crypto, je sais pas, de l'Ethereum, du BNB, voilà. N'importe quoi qui va vous permettre d'investir et de récupérer leur crypto. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, les gens vont investir, sauf qu'il va y avoir une faille dans le système. Les failles, elles peuvent être multiples. Il peut y avoir, par exemple, le fait que vous ne puissiez pas vendre vos tokens. Vous pouvez juste en acheter, mais vous ne pourrez plus les vendre. Ce qui fait, c'est que eux, en fait, ils vont s'être accordés des tokens au début et ils vont tous les vendre une fois que le prix aura atteint des sommets et vous allez perdre vous toute la valeur de ce que vous aviez investi. L'autre possibilité, c'est qu'ils s'enfuient juste avec la liquidité de la pool parce que c'est eux qui l'ont conçu et que en fait il y a une porte dérobée dans le protocole qui leur permet de juste prendre tous vos tokens
et de s'en aller avec. Mais vraiment, dans la plupart des cas, en fait, ça va juste être un projet qui est complètement foireux, où il n'y a rien derrière. Eux, en fait, ils vont juste se concentrer sur le marketing, sur le fait de faire venir le plus de personnes possible. Souvent, en plus, il y a des mécaniques un peu Ponzi, de pyramidal, où en fait, les personnes qui étaient déjà présentes vont bénéficier des frais que mettent les nouveaux entrants pour entrer sur le projet. Et du coup, en fait, ils vont pousser les gens à faire venir d'autres gens sans même qu'eux, ils aient rien besoin de faire. Et au fur et à mesure, en fait, le projet va grossir. Et eux, juste au moment, ils vont sentir que c'est le moment de se casser. Et bah, ils vont tout vendre. Et comme ils auront la plupart des coins, et bah, ça va faire écraser le cours. Certains, peut-être, auront réussi à vendre avant. Mais dans la plupart des cas, c'est eux vraiment qui se retirent avec tous les bénéfices. Tout ça pour un projet en fait où il n'y avait jamais rien eu derrière. Là par exemple, je suis retourné sur le projet Squid Game avec le ticker Squid. Vous pourrez aller le regarder vous-même sur le site CoinMarketCap. Si on regarde la courbe depuis le début, on voit la grosse arnaque qui a eu lieu. Si on fait un petit zoom, voilà, on voit en fait comment il est passé de quelques centimes au début à en à peine quoi, ça a fait 5, 6, ouais, 5 jours, même pas, il est passé à 450 $. Du coup, il y a des gens qui ont fait des fois 1000, ils n'ont rien compris, ils se sont dit qu'ils étaient riches et en fait, ils sont partis avec toute la caisse, avec un projet en fait qui n'avait juste aucun sens et ils ont volé tout le monde. Et il y avait les signes au final parce que le projet ne faisait que de monter. Il n'y a jamais de projets qui ne font que monter. Il y a toujours des gens qui vont vendre, acheter. Et là, en fait, personne ne pouvait vendre. Et tout le monde s'est fait avoir. Du coup, faites attention parce qu'il y a toujours les signes. On peut toujours savoir quand c'est trop beau comme ça. C'est que c'est vraiment trop beau. C'est qu'il y a une arnaque. Du coup, faites-vous confiance. Quand c'est vraiment trop beau pour être vrai, c'est que c'est souvent le cas. Surtout dans les crypto-monnaies. Il y a moyen de faire de l'argent assez rapidement. Il y a toujours des choses qui sont assez avantageuses. Mais là, ça va trop vite. Là, c'est vraiment qu'il y a une arnaque derrière, qu'il faut faire attention. En tout cas, n'hésitez pas à nous demander de l'aide. Nous, on a un compte Twitter où vous pouvez nous contacter. Si vous avez des doutes à des mains sur des projets que vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne quelques conseils, on pourra passer un petit peu de temps pour regarder et vous dire si c'est vraiment super visible que c'est une arnaque ou non. On ne sera jamais sûr à 100% qu'il n'y a pas une arnaque qui est cachée ou même qu'il pourrait y avoir juste une erreur dans les smart contracts qui fasse que le projet s'éclate. Mais on peut déjà vous donner un premier avis et ça sera l'occasion de partager avec la communauté des exemples de scams. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez déjà rencontré ce type de scam, vos retours d'expérience sur ces arnaques. Comme ça, vous pourrez partager avec les autres membres de la communauté pour pas que ça leur arrive aussi. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un like, partager la vidéo pour pas que ça arrive à d'autres personnes, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la série The Road to Crypto Science. Salut!